Quoi? Ouais, mais Lexi, la soirée, vraiment chier à personne. Ouais, on fait ce qu'on peut, mon ref. On parle contre le langage. Moi, Gilles, t'as pas partagé, c'est pour ça. Bah, mais c'est que même au-delà de partager, les gars, en fait, vous invitez vos potes, il y aura du monde, vous invitez personne, bah ça reste un resto, juste. Ouais, mais nos potes, ils ont pas que ça à faire de venir à cette soirée. Ouais, non. Et ben, tu pas vas aujourd'hui, te faire en tout cas. Hein? Bah, tu vas te faire fister, du coup. Hein? Tu vas te faire plains fister. Pas qu'il y ait pas de monde si jamais tu peux pas inviter les gens. Et t'as dit quoi? Répète, répète. Oh. Ah, je pense que t'as compris. On l'a loupé, trou de cul. Ouh. Viens si on se mêle, viens si on se mêle. Je vous prie de dégager. Viens on se mêle. Je vous prie de dégager. Moi je suis un Lopez, moi. Non mais Gilles, vraiment casse pas les couilles. Et toi, agent de sécurité, où? Oh, j'ai peur. Je m'engage à adapter un comportement approprié et professionnel pour mon service. Zéro violence sur le lieu de travail. Je m'engage à respecter tout le personnel de l'entreprise. Il me semble qu'il y a déjà deux points qui n'ont pas été respectés par Gilles, alors on va mettre un petit avertissement du coup. Moi? Alors en plus, si je rajoute un ticket, monsieur Edouard. Non mais Gilles, en fait, le truc c'est que je me casse le cul à organiser des trucs, ok? C'est pas en 30 secondes que c'est organisé ce genre de soirée, hein. Donc s'il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pas pour autant qu'il faut dire que c'est de la merde derrière, après c'est du manque de respect. Et tout ça. En fait. Et si le restaurant il fonctionne pas, il n'y a pas de run, s'il n'y a pas de run, il n'y a pas de restaurant, vous êtes tous au chômage. Voilà. Ça va pas? Ah, ok, merde. Mais c'est José, DJ Lodiac. C'est ça, ouais. Ah, ok. Ouais, non, j'ai appelé justement parce que ça fait 10 minutes que j'attendais et. Parce que justement, moi je te l'ai livré, moi, c'est l'inverse. Ah. Ils sont pas venus devant chez moi, du coup. Attends. Elle m'a dit qu'elle était en livraison et qu'elle devrait pas tarder à revenir. Mais il y a 45 soirées aujourd'hui à 21h, je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes en même temps. Bah, nous, on a eu personne. On a eu deux personnes qui sont venues s'inscrire au tournoi de fléchette, donc du coup, on l'a annulé. Ah, ok, merde. Ouais, bah de toute façon, ça va être dans la continuité d'hier. Hein. Quoi, hier, c'était pas passé en plan? Non, hier, c'était la vente aux enchères, mais ça a été foiré parce qu'on a eu des cancers. Et après, on a la DOA et le DOT qui ont débarqué, hélico, camion, qui ont fouillé tout le monde, qui ont foutu la merde. Du coup, tout le monde s'est barré. Mais pourquoi ils ont fait ça? Comme ça, au hasard Ouais, comme ça, au hasard. Mais c'est la seule soirée qui me fait marcher dans la semaine et ils m'ont niqué ma seule soirée. Quoi. Alors, après, je peux comprendre qu'il faut qu'ils fassent des contrôles et tout, machin. Apparemment, en plus, ils ont arrêté un des trafiquants d'armes, mais bon, c'est la seule soirée qui me fait marcher dans la semaine, bah elle était pourrie. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Voilà. Oui, bonjour. Bah monsieur avait une livraison, donc faites-le. Moi, c'est pour une livraison, donc je vais vous fournir 150 bateaux de sushi que vous avez déjà payé par virement. Oh putain, mais j'en ai des employés. Wesley! En plus, on m'a dit SVP, c'est vraiment urgent et je suis là, mais. Wesley! Ouais, moi ça fait une demi-heure, je suis là, tu vois. J'espère qu'on s'est pas croisé, qu'il m'attend pas devant chez moi et que moi je suis devant chez vous. Non. Bonjour. En tout cas, je peux juste vous le donner si vous voulez, en tout cas. Donc, Mais non, j'ai pas le droit de réceptionner ça. Ah, je panique. Je vais me faire tuer. Ah, je panique. Panique, genre. Panique. Ça a déjà été payé, tu peux regarder sur la tablette, ça a déjà été fait le virement. Jean n'est pas là, Jean n'est pas là. Moi, des saucissons, on connaît ce que c'est. Et vous, attendez. S'il te plaît, tu peux arrêter de parler pendant que je parle, s'il te plaît. Vous avez rien fait. Le Yellow Jack, c'était pourquoi? Je venais juste passer une petite commande pour moi perso, mais donc occupez-vous de monsieur, y a pas de problème, je suis pas pressé. Bon, je vais les réceptionner, les bateaux sushi, je te laisse me les donner. Si, y'a un problème. Tiens, bouge pas, hop. Tiens, voilà. Merci, t'es un amour, Eduardo. De nada. Je sais pas si tu m'as reconnu d'ailleurs, mais bon. Si, Elena, bien sûr. Quand même. Ok. Quand même, on se suit depuis la pizzeria quand même, donc à un moment. C'est vrai. Bon, allez, je vais vous laisser travailler. Allez. Tu passeras le bonjour à Sissi? Si, ok, no problema, gracias, José. Allez, hasta luego, vous deux. Ouais. Toujours pas de gagner. Et boire de l'eau. C'est pas de la drogue, c'est du CBD, calmez-vous. On va prendre la cigarette, ah voilà, c'est moi qui. Mais non, mais non, pourquoi on va vendre de l'eau? Vous lui vendez quoi que ce soit de la. On m'a volé la cigarette, elle m'a volé la cigarette. Elle a volé la cigarette. Eduardo, elle le fait pour ta santé. Oh, t'as beaucoup d'énergie, hein. Un joint, $450, moitié fumé, écrasé, non. Je vais chercher un menu. Ouais, ils ont envie. Ah, quelle belle journée, je vais dormir, je serai devant Lexi. Ah.
T'es un putain de génie. Tu connais rien à l'alcool. Tu parles avec. Waouh, faut vraiment pas que tu vois mon armoire au quotidien. Ouais. J'ai au moins 400 bouteilles différentes, donc je pense que j'ai plus de références que qu'un bar. Donc, Tu connais pas les alcools. C'est qui le serveur? C'est toi ou moi? C'est toi ou moi? Dites-moi, quel est l'âge du cognac de Caillou? Ah, c'est le connaisseur. Le cognac de Caillou, il a 10 ans. C'est un XO. Et vu que c'est en plus vieilli dans des fûts tropicaux, c'est comme s'il avait 30 ans. Oh, excuse-moi l'expert. Hein. Oh, sous les tropiques avec la chaleur, ça veillait 3 fois plus vite. Mais je te jure que c'est vrai. Et la carapine, c'est laquelle âge? La carapine, ça par contre, mais ça dépend, c'est bien. Allô? Oh là là, si, alors ça se passe bien l'inauguration? Ça se passe mal, il fait mon mal. Quoi? Non mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais, attends, j'arrive, bouge pas. Mais non, tu peux pas venir, il y a les flammes et tout, tu peux pas venir. Viens ça, pas, il y a des flammes. Oh putain, madre, ok. Pour être flamme, on peut pas sortir. Ouah, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Je croise des cadavres et tout sur la route. Non mais c'est le bordel, les Bordeaux. Dios mios, mais que pasa? Courez. Il faut que je vois courir là-bas, ouais. Il fout quoi là, Eduardo? C'est où? Je cours. Cours. Juste courez vos mères. Ça tire, on a Bagdad ou quoi? Il y avait des façons de parler qui étaient bizarres. On dirait qu'il lisait un texte. On dirait vraiment que c'était vraiment fait exprès. Ah, c'est genre le patron du truc? C'était le patron. En plus, le patron, il était hyper, hyper charismatique, ouais. Et tout. Mais non, c'est pas le patron, le pyromane. Non, c'est quelqu'un. En fait, je sais pas s'ils sont alliés ou pas. J'ai pas capté. Je pense qu'ils sont alliés, je pense. C'est pour ça qu'il a fait cette soirée, c'est pour ça. Mais non, c'est la soirée d'inauguration de son entreprise. Ah oui, mais bon, il dit que son entreprise justement n'était pas tournée autour de l'aide des pyromanes. En fait, si tu veux, genre je m'étais faite maltraiter par un de vos employés. Non. Du coup, si pour se faire pardonner, elle m'a offert une ramoune. Et je l'ai montré à mon patron, j'ai fait non, mais il faut qu'on le vende ça. Mais tu fais ce que tu veux maintenant que t'es copatronne. Ah, du coup, okay, je fais ce que je veux, je suis venue commander. Moi, j'avais proposé à ton collègue qui avait fait la commande des bateaux de sushi, il m'a dit non, pas intéressé. Il m'a dit bon, ok, c'est pas grave. Ouais, non, alors lui il est seulement responsable et en plus il est aigri, donc c'est pas la personne à qui il faut proposer. Ah, j'ai rajouté ça à ma carte, c'est trop bien. Ah, est-ce que juste tu pourras m'envoyer, tu sais, l'image de la Ramoun, s'il te plaît, pour que je la mette sur mon. Si, carte. Tu veux que je te l'envoie en privé ou directement sur le ticket? Oui, en privé, c'est bien. Bah, comme t'avais fait pour l'autre truc. Et voilà, déjà fait. Tu gères la fougère. Gracias. Attends, je viendrai t'en recommander si ça se vend bien. Hein. Ok, ça marche. J'espère, on va voir. Je fais des investissements, on verra bien si ça fonctionne, mais sinon... Bon, on verra bien. Après, vous les vendez pas cher, ça va. Non, ça va encore, franchement. Comparé à certaines autres boissons. Je vais mettre ça dans mon coffre avant de me faire péter avec ça. Bon, au pire, ils vont pas te raqueter des Ramones, ça me passe que c'est. Oula. Ouais, non, c'est vrai. Je les sous-estime, c'est vrai, t'as peut-être raison. Ah, c'est Inks qui a suivi les bombardiers. Je pense à elle, genre, je suis allez, pas bien. Des bisous, faites attention à vous, du coup. Si, à toi aussi, bon instant. Ouais, Jacob, ouais, y'a quoi. Tu me feras d'abord le formulaire d'émission avant, comme ça, moi, je suis en ordre. Non, moi, je veux bien faire chier tout le monde, moi. Aïe. C'est ton véhicule, Carl? Non, c'est pas mon véhicule. C'est pas mon véhicule, c'est un inconnu. Il l'a déposé là. Oh, bordel. Quoi? À la haine. Ça compte automatiquement les comptes. Hein. Voilà, on a directement tes ventes. Comment Marcel? Est-ce que vous me trouvez BG là?
Est-ce que je suis à votre goût? De quoi? Alors, ok, pourquoi non? À mon goût, étant donné que je mange pas ce pain-là, il sera jamais à mon goût de toute façon. Donc, toi aussi, t'as mangé à midi, putain. Arrêtez de manger à midi! Aïe, aïe, aïe. Allez, moi, je vais aller faire un tour. Ok, ça marche. Hasta luego. Je t'aime, directeur. Non, mais... Ça va, il fait « Je t'aime, directeur ». Mais waouh. Pardon. Ah ouais, tu vas à fond, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Achoua. J'adore. Le kiff. Le kiff. Ah, j'ai jamais entendu un interview aussi long, super long comme ça, là. Ah. Ok. Bah oui. À part les trucs évidents, genre Burger Shot, c'est des fast food, tu vois, mais. Waouh! Waouh! Ah ouais! En même temps, il roule à contresens, du coup. C'est rien, mais là, waouh! Heureusement qu'il est pas mort, hein. Dommage qu'il est pas mort. Je rigole. D'accord. Encore une fois, une idée aléatoire. Et tu voulais pas jouer faire un thème océan, mais tu veux pas vendre l'océan pétillant. Caleb, du coup, ce qu'on va faire, c'est chacun son taf là, parce que c'est plus possible cette histoire. J'en peux plus. Comment ça là? Laisse Alexis faire son taf. Fais déjà ton taf, toi déjà, Caleb. Bah, il va faire foutre. Mais gueule. Putain. Non. Mais non, mais c'est que je m'en sers à l'école aussi. Oh, vous voulez pas venir jouer là, parce que je suis tout seul au restaurant, il se passe rien, on est tous sur Discord. Mais on est tous là, on est tous là. On est tous là, on est tous au restaurant. Et vous êtes où? Vous êtes où? On est au bar. Mais on sait très bien qu'on va finir à faire du quad si on vient en ville là. C'est vrai. Du quoi, Eduardo? On va finir à faire du quad si on vient en ville là, c'est bon. Non, on n'est pas obligé de faire du quad, on peut faire aussi du buggy. Casse les couilles. Un bateau sushi. Non, un bento, ça c'est bien, un bento. Des milkshakes. Non. Et les gars, et doucement, parce que je vais pas avoir 4 km de place non plus. Hein. Mais non, mais un bento avec un tutti frutti. En dessert, tu mets des churros. Mais c'est quoi le rapport avec les bento et la fête foraine? T'as déjà vu un bento sur une fête foraine? Il est fou, il est en train de complètement. Tu considères le bento comme un tupperware? Souvent ils prennent des un trucs. Un tupperware, ça y est, il insulte toute une culture, 350 millions d'habitants insultés par un tupperware, ça y est. Ça me frappe alors. Tu prends un tupperware, vous n'avez même pas capté. Ouais, un tupperware, c'est pareil qu'un bento. Allez, ça va. Mais non, mais tu prends une. C'est pour faire mais ça l'image. Va, tu prends ton bento, tu le mets au micro-ondes et tu réchauffes ton riz et tes sushis. Ben oui, mais oui. Mais oui. Mais oui. Ah, tu peux voir, c'est pas fait que pour. Tu peux voir, c'est pas fait que pour ce truc. Non, c'est lui qui a commencé à me frapper. Jacob, il se tape tout le temps. Moi, je vais être obligé d'arrêter. De toute façon, j'ai plus d'excuses. Je suis bientôt plus enceinte. Ça tout le temps. Ah ouais, tu prends. T'es plus enceinte? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Bah, j'accouche dimanche. J'accouche dimanche. Ah d'accord. Ouvre. C'est-à-dire qu'à partir de lundi, on peut enchaîner, quoi. Pardon. Ah, putain de merde. Et pardon, viens au bar. Pourquoi? Coup de main de rire, viens. Attends. Mais pourquoi j'ai 2 FPS? J'ai pété mon crâne. Ah non, je suis bloqué. Parce que t'as un grille-pain à la place d'un ordi. Je suis bloqué par la porte encore. Attends, regarde. Viens 10 secondes après. Viens 10 secondes après. Après, tu peux toujours essayer lancer Paint. Hein. Il va vraiment péter sa tête. David, fais la bouche jusqu'à lui, s'il te plaît. Ça m'a tué avec son grippin. David, fais la bouche jusqu'à lui. Non, mais vous voulez vraiment l'énerver à ce point-là? Mais il s'est énervé pour des couilles, du coup on va vraiment l'énerver pour quelque chose. Et en fait j'ai mon clavier qui s'ouvre à chaque fois, donc je pense que je dois pouvoir écrire dedans. Mais... mais non mais j'ai essayé mais ça marche pas.
J'ai essayé, hein, mais ça marche. Je pense qu'il rigole pour, parce qu'il est avec Gustave. La gueule, putain. Mais c'est pas de toi que je rigole. C'est Gustave qui m'envoie une photo de son quad en feu. Et puis sa position GPS. Moi je vais essayer, je vous dis bonne nuit. J'ai bonne nuit, David. Bisous, bisous. Qu'est-ce qui passe? Pas trop. On est dans deux secondes, deux secondes. Si c'est pas bonne nuit, si c'est 18. Dis 18, 18, pas bonne nuit. J'ai fini, Eduardo, et tu reviens. Il y a une photo, tu fais. Mais putain madre, mais qu'est-ce que vous foutez? Il est en mute là. Je vais te montrer, Jacob, tu vas me dire ce que t'en penses, on m'entendra probablement pas. Eh putain. Si. Putain, mais dans quoi tu m'emmènes, toi, bordel de merde? Ah, on s'est déjà vu. Ouais, il est bien, mon sac. Ouais, on s'est déjà vu, tu m'as frappé. Ben oui, ben je t'ai frappé, mais t'es fou, ouais, en fait. Ah oui, oui, tu m'as frappé. Ben oui, oui, bah écoute, il y a toutes les preuves vidéo qui montrent bien que je t'ai pas frappé, alors. Si, si, au tout début, si, si. Ouais, ouais, ok, d'accord. Après, si tu l'as coupé, et tu m'as frappé. Et je peux tout montrer en arrière, y'a pas de soucis. Mais comment je suis tombé du quad, alors? Et t'es jamais tombé d'un quad, moi. Moi, je suis arrivé avec une moto, tu m'as défoncé sans que... Ah, mais ouais, mais toi, c'était avec ton collègue, du coup, t'as pris avec lui. Salut, les gars. Du coup, Hichem, tu sais pourquoi je te TP? Ben, parce que le collègue de ce monsieur-là, il m'a frappé. Du coup, après, on s'est frappé. Et après, lui, il y avait lui aussi. Du coup, ben, il est venu et on s'est tous frappé. Et voilà, on s'est frappé. Ouais. Est-ce que tu veux venir le voir le rec en BDA? Parce que lui, il a absolument rien fait. Hein. Il était avec sa moto, il a rien fait. Ben, alors, s'il a rien fait, je suis désolé. Mais moi, il était avec son collègue et. Ton collègue Ilyes, pareil, je sais que ce que tu fais c'est interdit avec les motos, de même expliquer. C'est interdit depuis quand? Bah ça s'appelle Usbug, c'est interdit, c'est comme les barrières. C'est pas un Usbug, mais c'est pas un Usbug. C'est pas un Usbug, on peut le faire. Juste à faire X, oui, X bah, est frappé. Oui, mais c'est comme le Baba Yaga, il y a juste à faire ça et pourtant c'est considéré comme un Usbug. Alors aussi, mais c'est pas un Usbug. Mais c'est considéré comme un Usbug. Ouais, je sais, mais c'est considéré comme tel. Face à un mur. Oui, mais c'est considéré comme tel, c'est considéré comme tel. Et c'est quoi en fait? On choisit parmi l'un ou l'autre? Comment ça marche? Est-ce que c'est un bateau sushi ou un mochi mogo ou les deux? Je pose des questions, là, je sais bien. Mais... J'en ai pas encore vendu depuis que je suis là, donc je suis en train de. C'est pas grave. Je vais vérifier, attendez. Donc ils sont pas frais alors, ok, d'accord. Ouais, à mon avis, ils sont pas frais. C'est renouvelé tout le temps, inquiétez-vous pas. D'accord, en fait, ils sont fraîchement décongelés. Il les recongèle chaque soir et il les décongèle. Voilà, sanitairement parlant, c'est le mieux qu'il y a à faire. Dès qu'on a un doute, on recongèle. Au moins, ça gagne de la masse chaque jour comme ça. Exactement. De plus en plus nutritif. Ça y est, j'ai envie de devenir les stars qui est Hush de l'enquête. Je vais devenir un agent du fisc ou de l'hygiène ou quoi, j'ai l'impression. J'ai envie de faire ça maintenant. Ça serait stylé. Et j'ai envie de savoir vraiment à quel point ils arnaquent. On vient contrôler les cuisines et tout. Et le lendemain, on revient et dit bon, les gars, on a remarqué des anomalies. On va devoir faire fermer le bâtiment pendant la sécurité. Problème de prix, problème d'hygiène, problème de sécurité. Vous pouvez pas mettre les canapés aussi proches du feu. Oui, déjà en plus. Parce que là, regarde, je marche dessous, je crame. Hein. Niveau sécurité, c'est le moyen. C'est vrai en plus, hein. Marche vraiment pas dessous. Le bois qu'il y a sur la passerelle juste là-bas, il est glissant, je trouve. Ouais, j'avoue. On a fait tomber. Faudrait les arnaques à l'assurance. Tu cours dessus, tu glisses et puis tu fais ah, il me s'est cassé la jambe. Menace. Le mieux ici. Et des menaces. Vous savez que j'ai plus que 2 mètres à faire pour essayer de voir si je peux ouvrir un peu là. Juste là. N'oublie pas qu'ils ont ta carte. Ah oui. Et que moi aussi, on est arrivé ensemble. Vraiment, tiens. Droïde 5.6, vouloir carte. Moi, vouloir carte. SVP. Et mi también, por favor.
C'est du quoi, pardon? Moi, vouloir carte, s'il vous plaît. La carte. Elle est d'un punky. Work it. Make it. Do it. Make it. Et là, oui. Faster. Stronger. Lâche pas les courses tout de suite. Hein. Attendez, je cherche la carte, moi je l'ai, voilà. C'est on va vouloir des... carte. Je vais pour deux. Ah, et c'est oh, vrai. Du... Je pensais pas qu'il irait aussi loin. C'est la première fois qu'on me le fait, ça c'est pas mal. Oh, bah, au moins il est pas mal. Qu'est-ce qu'il il est là à droite. Il va redescendre. Non mais c'est ah, pas possible. Il est bien monté en tout cas, je sais pas c'est quoi comme quad mais il est bien monté. Wouah. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo. Ouais ça voyait, c'est pas cassé. Oh, et bah voilà, si. Et voilà. J'ai pris feu. Alors c'est trop, c'est bon. J'ai failli mourir mon quad. C'est trop. J'en peux plus. Mais c'est pas possible. Bon allez, voilà. On rentre en moto. Retour à la base. Allez, bon courage. Gracias. C'est la deuxième fois que tu crames un quad aujourd'hui. Comment tu fais? Ça m'est jamais arrivé. Décroche. Allô. Ça va? Ça va et toi, Rocky? Ça va. Tu fais quoi là? Là, je suis bourré. Tu vois? Là, je fais rien. Je devrais être bourré, c'est mieux. Et là, on est en train de faire le long pont qui va à Caillou. 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 Perico. J'ai compris. Ville. Loup. C'est ta Caillou, Perico? Ville. Loup. On revient de Caillou Perico, parce qu'il y avait une soirée avec énormément de monde. Et que là, de l'huile. Que de l'huile. Et là, on va au lounge. L'huile, de l'huile. Il nous rejoint au lounge. Mais de l'huile. Ok. Oui. À un moment donné, il faut parler. Mais, oui. Mais tu l'entends non. Pas, il fait que ça, on n'arrive pas à en placer une. Ah oui, c'est vrai. Je peux vous aider. Moi vouloir. Moi, Martini. Et la carte, pour favor. Et carte. Je vous envoie la carte. Merci. Et trois Martini. Gracias. Un place cadeau. Merci. R404, si. Ils ont ce qu'il faut. Vous pouvez me donner 4 refroidissants au cactus. Ouais. Moi j'ai trouvé, c'est fini l'huile, c'est fini l'huile, on va commencer l'équipe de refroidissement au cactus. Bonsoir, vous allez bien Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. S'il vous plaît. Mais non, c'est pas à moi ça, c'est pas moi, moi je suis juste le fouilleur. Voilà. Putain, mais il est rempli celui-là, c'est quoi ça? Attendez, je regarde. Être plein. Préservatif. C'est tout bon. C'est tout bon. On pouvait aller vers lui là. À vous. Bonsoir. Avec votre costume. Pouvez-vous montrer votre carte d'identité, s'il vous plaît? Oh là 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 là, je vais être chiant avec vous, hein, monsieur. Ah bon, pourquoi? Les petits cigares dans la voiture, s'il vous plaît. Oh, cigares. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Au pire, cigare, c'est pas la drogue. Dans... Au pire, dans le petit truc magique. Mais non, pas à moi, je veux pas. Non, non, mais j'ai vraiment la flemme là. Tiens, c'est la bon, cigare, c'est bon. Garde, c'est pas comme si je voulais pas dépenser les entrailles. C'est moi, c'est moi. Au revoir. Ouais, il fait ça, la dame en face. Mais elle fait les trucs de lap dance, quoi. Mais c'est ce que j'ai fait. Ouais, mais c'est une chica, tu peux pas faire de la messe, moi. Qu'est-ce que tu veux d'abord, monsieur? Okay, yes. Ah, si, je veux bien la. C'est le travail qui me permet de faire ça. Ah ouais, je sais pas le faire.
Non, tu regardes. Ok, merci. C'est le rôle dans ce jeu. Ok, ok. Elle a pris le tiempo de t'expliquer, c'est trop gentil. Je peux toucher, frère. Je peux toucher. Yeah, je suis pire. Par contre, j'en peux plus de cette tenue, j'ai quand même chaud dedans. Encore pire comme ça. Je casse. C'est l'eau. Bah là, regarde. Il y a des Africains qui ont monté encore. C'est Gabi. Tout en regardant en plus. Là, c'est là, je crois. Oui. Ah non, mais c'est trop... Justement, moi qui te... C'est vraiment trop grave, qu'est-ce qui se passe? Encore on sort de là, bordel. S'il vous plaît, vous pouvez ouvrir la deuxième porte? Les agents de sécu. Oh, oh ouais. Merci Michel. Alors... Attends, oui. Je vais essayer de rechercher le truc où est-ce qu'il était. Et ça, voilà. Oh là là. Une raison. Eh. Oh là là. Son oh. Est 4 km. La photo de toi et moi. Oui, ce qu'il me disait quand j'étais là-bas, j'avais incroyable, un oiseau qui me regardait H24, je me sentais pas bizarre. On dirait vraiment qu'on lui veut du mal tous les deux là.